vrai. C'est quoi ce duel, putain? Si on m'avait dit qu'un jour il y aurait ça dans le Royal Rumble. Non, je rigolais, s'il te plaît, s'il te plaît, viens, on discute. Joyeux anniversaire. Mais c'était pas par défaut, c'était vraiment. Oh, 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 oh. C'est parti pour ce Royal Rumble, différent d'habitude, c'est une soirée spéciale bien sûr, on a décidé de reprendre un peu les concepts et de les tordre dans tous les sens. Ce soir, ce qui va se passer, dans les faits, il va se jouer comme d'habitude, donc la petite roulette avec les défis, en 6 games, en fonction de votre positionnement et de votre nombre de kills, vous allez marquer des points. On va vous repasser les règles en détail dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Donc tout ça, ça reste similaire, par contre, on va, avant de démarrer le Royal Rumble, constituer deux équipes de 4. C'est-à-dire que Gota et moi allons faire deux teams, en vous choisissant un par un, et en fait, c'est les scores d'équipe qui vont compter au final. Mais on va cumuler le score des 4 personnes et ça sera l'équipe qui aura marqué le plus de points qui remportera le Royal Rumble, en tout cas qui fera gagner son capitaine. Donc aujourd'hui je peux gagner un Royal Rumble si on parvient à battre l'équipe de Gotaga. Mais c'est pas si simple que ça, pour être très honnête. C'est ça, ouais. Et je vais commencer. Gota, tu me laisses la main, c'est mon anniversaire. Bien sûr. Logiquement je vais prendre le joueur qui va peut-être me rapporter le plus de points. Oh, il m'a fait un sourire. Oh, bah, non. Je sais pas. Oh, non. Je vais prendre Mushway, mais peut-être après. T'es encore dispo. Je prends Mushway directement. Bah, moi, je vais prendre mon gars sûr, qui est Zank. Ok. Ah, il était moyennement sûr quand même. Si, 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 mais j'attendais une réaction peut-être à côté, genre en mode. Lucas, c'est ce moment. Ah, un eye contact. J'étais prêt en dernier. comme à l'EPS au lycée. Alors, je rappelle le chat que ça ne change rien au niveau du gameplay. Hein. C'est exactement pareil. On aura même les scores individuels à la fin, donc vous pourrez savoir qui a marqué le plus de points, etc. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre Domingo. Yes, pas sélectionné en dernier. Ça fait plaisir. Il reste Twix, il reste Squeezie, il reste Cabochard. Gota, c'est à toi. Aïe 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 aïe, vas-y vas-y, je prends Cabochard. On fait fort victory mon pote. J'ai envie d'avoir l'ambiance ici de mon côté, donc je vais prendre Squeezie. Ah, comme ça. Ah, on n'a pas la victoire mais on a l'ambiance. Alors, pause, c'est-à-dire que les trois là sont dans la même équipe, c'est ça? Ouais, c'est ouais. Ça. Et moi je prends on Twix. On n'a pas les kills. Oh, okay. Pas par défaut. Béa, regarde l'écran de Coco, tu me dis où il bon, est. Bien sûr. C'est stratégique. Non mais attends, parce que vous avez quand même joué solo chacun de votre côté. Bien sûr. C'est juste que le placement final. Ça. Oui, oui. Après, s'il si reste trois. On aura quand même le classement individuel pour savoir qui l'a emporté réellement. Oui, on tue tout le monde qu'on voit quoi. Enfin, oh, y a pas de d'accord. Et du coup, le trophée, il est pour qui? Pour toi ou la personne qui finit premier? On laissera le chat choisir. Ce sera la surprise finale du chat. D'ailleurs, est-ce que j'ai qu'on a le trophée? Oh mon dieu, merci. Il est lourd. Ça y est, c'est la fin du Royal Rumble. J'ai gagné. Thanks everybody. C'est la seule fois où tu le toucheras, profite. Hey, en vrai, il est dans un décor, ça peut faire très beau. Parce il est cool, hein. Il est pile poil de la bonne hauteur. Ici, matière anti-trace de doigts. Mm-hmm. En aluminium dernière génération. Un très très beau trophée. Hein. Il donne envie. Hein. Très très propre. Il donne envie de sub à la chaîne, je trouve, non? On va pouvoir tout simplement tirer au sort le premier défi. Mais avant ça, on va faire un petit rappel des règles parce que bien évidemment, il est bon. Plus ou moins au point. On sait qu'il y en a certains qui ont lancé le jeu depuis longtemps. Rappel des règles, on se met en place et ensuite, baston. Let's go. Bienvenue dans le Royal Rumble. Le concept est simple. 8 candidats s'affrontent sur 6 spawns de 5 minutes avec pour unique objectif, marquer un maximum de points pour devenir le grand champion de la soirée. Pour marquer des points, il faudra faire attention à plusieurs choses. Premièrement, le placement. Chaque joueur sera récompensé suivant son classement final avec un barème de points défini, allant de 7 points pour le deuxième à 1 point pour le dernier. Le premier de la manche, quant à lui, remportera 10 points. Les kills ? Eh ben oui, parce que chaque kill rapportera un point supplémentaire. Et pour finir, les bonus. En effet, une roulette avec des défis sera lancée en début de chaque manche. En accomplissant des kills avec le défi donné, vous obtiendrez souvent des points supplémentaires. Mais attention, vous pouvez aussi en perdre parce que oui, la roulette vous réserve de multiples surprises. Un dernier détail, mais pas les moindres. Si vous êtes encore en vie à la fin du timer, vous ne marquerez aucun point. Alors, campez pas trop, hein. Ah oui, aussi, on est sympa avec vous. Le perdant de chaque manche aura l'honneur de choisir le spawn de la manche suivante. Alors bref, bonne chance à tous et surtout,
que le meilleur gagne. Et on est de retour, ça y est, hein, toutes les... Pourquoi plus la soirée passe, plus il disparaît. S'enfonce. Pardon. Je pense que c'est pas toi, je pense que c'est le 4 caméras qu'on a été avec le Chifoumi, on a fait n'importe quoi. Je te mets un petit cadre. Oh. Je te mets un petit cadre. Oh. Je te mets un petit cadre. Ouais. C'était pas mal là en vrai, si oh, je décale. Ouais, ça commençait à être pas mal. Tu vois, faut juste que je décale un peu. Il s'est fait, voilà. Bravo. Mais tiens, mais tu sais vraiment tout faire toi, c'est dingue. Toi, Chifoumi, changer ta caméra. Chifoumi, les cadres, si vous avez besoin de ses compétences, je suis là, les gars, sachez-le. Oh, mais qu'est-ce que c'est cette belle chose? Pas de coffre. Interdiction d'utiliser les coffres pour cette première game. Oh, non, c'est disqualification. Il y a plein de questions directement. Squeezie triche ou pas cette semaine? On peut me laisser vivre? Je peux vivre? 100%, il va jouer le monde. Pas dans la game, Twix 2 et. Ah, Squeezie, là il est concentré. Hein. Non, mais voilà, pas de coffre, on va dans la ville où vous dites. Et non, tout. Non, par contre, vraiment pas de coffre. C'est sûr que tu vas atterrir à côté, mais au moins ouvre pas de coffre. S'il c'est te plaît. Tentant. Quelle raison? Ah, non, mais cette fois, on sera méchant avec toi. T'ouvres un coffre, c'est pour Dwag, hein. On fait ce que tu veux, hein, mais. C'est vrai que tu représentes ma team, mec. Ok, ok. On pense à notre team, quoi. Alors, on va aller à Ritelro. Ah, c'est la ville ça va, en vrai. C'est là où tout est. En vrai, ça va, on a chacun notre maison normalement. Ok, les mecs, c'est parti pour le Royal Rumble. Certes, il y a deux teams qui s'affrontent, mais au final, on sait qu'on est chacun pour soi. Très bien, c'est très bien. À la fin, vous verrez le compteur individuel de chacun, de chaque score, mais aussi les scores d'équipe. Petit bonus pour cette soirée d'anniversaire. Comme ça, dans tous les cas, rappelez-vous, les gars, pas de coffre. Pas de coffre. C'est instant élimination, c'est ça? Ouais. Si tu lèves les mains, t'arrêtes de jouer. Heureusement, tu me l'as dit, bro. Ouais, parce que. C'est un coffre, t'es éliminé direct. J'ai que des coffres dans ma maison. Est-ce qu'il y a une petite exception? Salut Twix. Déjà? Salut. Salut Twix. Ah, les gars, vous êtes dans la même équipe si jamais. Ouais, je sais. Éviter de. Il m'a rushé. Le mec en bleu là, tu veux pas le prendre ton coffre là dans ton bâtiment? Tu parles de qui? Ah. Vous y repérez. Y'a pas mal de mecs en bleu aussi. Je l'ai pas pris, gros, je le prendrai pas, t'inquiète. Ah, il a triché devant quoi moi. J'ai rien vu en direct tricher. Non, j'ai juste trouvé des ballons, gros, regarde. J'ai juste des ballons. Ah. Mais toi, j'ai vu des ballons par contre. Ah. Vas-y, montre la position, là. Moi, je pimente le jeu, bande de merde. Ah, t'as perdu du shield. Non mais vous avez pas dit qu'on avait pas le droit au ballon? Non mais gros, je l'ai vu devant moi l'ouvrir, putain, et du coup je me suis fait laser par un autre. C'était ma strat. Ah, c'est toi que j'ai laser, Gotha là? Mais sans blague, parce que je voulais le kill gratos, mais il s'est barré vers l'autre. Pourquoi j'ai autant de pression? J'étais qui sur le toit là? Pourquoi j'ai direct un pro face à moi? Mais j'étais chiant! 7 HP, Dwight! Tu l'as laissé à 7 HP! Je vais te fumer! J'avais pas de pompe! T'étais à 7 HP d'être un joueur pro, Dwight! Gagne pour moi, Mush, maintenant. Par contre, là, on donne les infos, là. Ah, c'est vrai, je m'excuse. Il a crié mes HP. Y'a Gotha, il a. Regardez-le. Oh, Gotha, t'es un chien. Non. Oh non, j'ai fait une erreur, désolé, je savais pas, pardon. C'est ma faute, je suis désolé, gros. C'est qui le pire duel du monde contre moi, là? Laisse plus 20 secondes, Coco, j'ai spoilé HP sans faire exprès. Oh putain. Oh, il vient de comprendre qu'il a pas de shield finalement, Gotaga, donc Mush fait face à Gotaga, c'est le duel des deux champions ce soir. Combien de temps il nous reste? Il reste une minute exactement, vous êtes encore 4 en vie, et on a les deux champions qui s'affrontent d'un côté, de l'autre c'est PA face à Zank, les deux animateurs énergie d'un côté, les deux joueurs Vitality de l'autre. Ah merde, j'ai spoil. Viens là, c'est qui? C'est pas Zank ça. C'est pas Zank ça. Si, c'est Zank, 100% PA. Et c'est un énorme duel. Il reste 30 secondes. C'est pour ça. J'avais pas grand chose non plus. 20 secondes pour les points. Mais je vois qu'il gagne face à Gotaga, 2 HP. 2 HP, putain, j'en étais sûr. Il reste 2 mecs de mon équipe. Il reste 14 secondes. Il va falloir vous fight 14 secondes et ce sera 0 points pour vous deux, les gars. 14 secondes et vous marquez 0 points. Il faut vous trouver. 7, 6, 5, 4. Pas un suicidé, hein. Pas un suicidé, si jamais. T'es où? 2, 1. Ah, il t'a tué trop tard, je crois. C'est un bug ou? Ouais. Non, mais il y a eu le bug. Non, il a tué. Malheureusement. Il y a le bug. Non, vraiment, c'est un bug. Non, il m'a tué bien avant. Bien joué à toi. C'était à moi qu'il l'a tué, même s'il y a eu le bug. Non, c'est un autre bug ça. Il y a eu deux bugs. Ah là là, malheureusement, deux de l'équipe bleue qui marquent 0 points sur ça. C'est con, les gars. Ah là là, faut respecter les règles, les gars. C'est con, mais du coup, je peux encore gagner solo. Ah là 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 là. Putain, c'est terrible. T'as fait quoi, mais j'ai rien fait. Non mais les gars, il y a eu le bug, mais il y a eu le bug quand même après. Moi, il y a eu le bug pareil. Non, mais ouais, on est d'accord, il y a eu le bug après. J'étais sur ton écran, t'as tiré. C'est de la mauvaise foi. Il m'a tué, il y a eu le bug, je suis désolé. Vas-y, c'est comme vous voulez, moi je m'en fous. En vrai, vous étiez en train de fight à la fin. Je crois que il y a eu un bug, qu'un coffre s'est ouvert tout seul, c'est ça? Ouais. Alors j'étais devant. Le coffre s'ouvre, il y a des ballons, les ballons viennent sur moi, hop, je pars en volant. Et là, il y a trois gros chiens qui me tirent dessus en même temps et je meurs. Non, mais les gars, le fight était engagé, par contre, le scénar, je l'ai vu en direct. J'ai des preuves. Je l'ai vu en direct, je le voyais, le mec en bleu là. Mais en fait, j'étais sur mon toit comme ça et j'attendais que tu décales, il y avait des petits trous et là, je vois le coffre qui s'ouvre. Alors attention, avant de tuer quelqu'un, si vous faites une danse, c'est plus 3 sur le kill.
Mais faut la faire avant, pas pendant. Du coup, juste petite question comme ça au hasard. J'ai les points moi ou ça passe pour cette fois-ci, bien sûr, c'est la première et puis c'est mon anniversaire donc On a les points Doug, on a les points ça va. Tout le monde a des points sauf Squeezie. Bon, j'ai exagéré, j'ai pris un coffre, j'ai eu des ballons dedans et je suis mort instant. C'est pour la blague. C'est pas comme si j'avais mis à mal quelqu'un. Après en vrai, t'as fait top combien de base? Dernier. Bah finalement ça change quoi? C'est pour ça, il y a entre un point. Par contre, il a pris le coffre, il est directement parti avec ses ballons en mode suicide. Il a pas fait le connard en mode je campe jusqu'au top 3 malgré que j'ai triché. Non, j'ai dit il a ouvert un coffre devant moi, je l'ai vu partir en ballon, genre il s'est mis trade partout. On va à Frosty Flag. On va tout là-bas. Tout là-bas les gars. Allez, let's go. Ah, ce qui paraît, non, c'était même pas Squeezie, c'était Twix le dernier. Il y a quelqu'un qui était mort avant moi. Ouais. Pardon, je t'ai volé ton spot. C'est quoi? C'est vrai que c'est des tyroliennes en direct. C'est actuellement ce que je suis en train de faire tellement je suis en galère. Bâtard, Snowball là, ouais. On a droit au coffre. Non mais y'a un mec qui est même pas dans la ville qui est en train de se looter. C'est qui se... Y'a un mec qui se... Mais moi, je me suis fait fumer en dehors de la ville par Gotha. Ah mais il y a eu des coups de pioche carrément là. Ah bah ouais ça... Oh le vin. Y'en a un autre, y'en a un autre Gotha. Quoi? Gotha fais pas ça, c'est moi Gotha. T'es trop nul. Adieu mon petit mâchouet. Attends, t'as dansé avant ou pas? Lucas serait vraiment... Non j'ai pas dansé, j'aurais pu putain. Y'avait pas d'armes putain. Y'a un avion putain. Y'a un avion putain, qui fait ça? Il va me chercher là maintenant. Ça va mon pote? Mais tu m'as lavé mais... Ah mais c'est dans mon dos. Il y a une chaîne de lavage. Mec mais j'entends rien avec l'avion, c'est un délire. Bah choué, je m'excuse. Déjà j'ai donné tes infos puis ensuite je t'ai tué, je suis désolé. Inadmissible. Il y a un fight avec Gotha qui a pas sa touche. Et Twix il prend le dessus. T'aurais pu taper une petite danse quand même Twix. Y'en a qu'on spawn en dehors de la zone là. La confiance n'est pas. Par exemple Gotaga. Non j'ai spawn avec mon ami Domingo. Yo. Oui en dehors de la tyrolienne. On a loupé notre spawn, on va dire qu'on n'est pas habitué à spawn ici quoi. C'est toujours pas la vie, je pense que tout le monde a loupé. Attends, mais c'est qui dans l'avion là le coup? Est-ce que de la team Gotaga actuellement? Ah mais Twix, bon, j'allais dire des mécaniques. Putain, mais c'est trop. Oh mon dieu! Ça y est! Oh, c'est notre la battle d'avion est engagée! Il vous reste 1 minute 40 les gars. Oh là là, ça maîtrise l'avion du côté de Twix à partir de dessous. Eh, prends un avion aussi, Zank. Rappelez-vous les gars, vous pouvez changer de place, tirer quand vous changez de place si jamais. Ouais, tu peux changer de place en plein vol et tirer sur l'autre. Oh, c'est trop stylé en vrai. C'est quoi ce duel putain? Si on m'avait dit qu'un jour il y aurait ça dans le Royal Rumble. N'oubliez pas qu'on va redescendre à un moment. 1 minute et 15 secondes. 1 minute, 1 minute les gars. Oh là là, il y a les 3. Twix, il arrive bien. Twix, le monstre. Twix. Ah Twix qui met full pression. Mais il pilote comme un dieu. Non mais Twix mais Twix c'est ouf. Eh Twix putain je suis content de t'avoir pris dans mon équipe mon pote. Twix c'est incroyable. Et je rappelle c'était pas par défaut, c'était vraiment... Oh, 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 il lui a pété la vie. Descendez ici enfoiré. Oh là là, mais quel move messieurs dames. Combien de temps, combien de temps? 45 secondes. Oh Twix qui touche. Et il a plus de construire. J'ai l'impression que c'est cabochard, je sais pas. Les gars, rappelez-vous, il reste 38 secondes. Ah, c'était trop stylé la bataille. Incroyable. Oh. Aïe, ils ont quand même pas mal de shield. 30 secondes, j'ai 1v1, attention, Cabo. Qui arrive? Peut-être le joueur Vitality. Ah, ça c'est fini. Qui a gagné? On sait pas à cause du bug. Attention, alors, c'est qui? Alors, qui a gagné? Qui a mis la bague de pont? Alors, je pense que c'est moi. C'est Zank. Let's go. Oui. C'est vrai que... Par contre le gars une petite danse aurait pas été trop quoi, suspense, mais Ah j'avoue que j'aurais pu mettre une danse. Top 1, 2 kills. En tout cas Twix impressionnant, rien à dire. Et Twix a fait le spectacle. Le pilote quoi. Eh bah il était bien. C'est un tireur, je suis un pilote. C'était un bon spawn. Du coup tu nous choisiras quel spawn? J'y réfléchis. Elle pouvait mettre peu importe le défi, ça va aller à Tilted. Le Bambi qui a été tiré, ça c'est cool. Donc un d'entre nous sera en skin de base. Celui qui le tue prendra 6 points de plus. Par contre le Bambi lui s'il fait des kills, ses points sont doublés. Et ça sera Twix en Bambi. Tu vas faire rusher un Twix. Venez me chercher, je serai dans les airs. Troisième game hein, déjà, ça va très très vite. Donne-toi à moi, Twix, n'hésite pas. Non, je rigole, s'il te plaît, viens, on discute. Joyeux anniversaire. Quel enculé. Oh, tout le monde me chasse. Ouais, effectivement. Je ne trouverai jamais. Wow. Ouais, c'est un joueur pro. Ah ouais, c'est la foudre un joueur pro. Hein. Ouais, j'ai même pas compris. Le choix qui vient de faire un rappel à Squeezie de ce qu'est Fortnite réellement. Désolé pour les infos, hein, tout à l'heure. Oh non! Oh, ils ont Kyo qui tue tout simplement le Bambi! Et qui rapporte 6 points de plus à sa team! Oh non! De rien, Zank, c'est gratos, Zank. Oh! Mais il est on fire! Zank qui vient de faire 3 kills, dont le Bambi. Oh! Heureusement, pas de dégâts de chute. Il se retrouve en position de 1v1v1 face à Mushway, face à Gotaga. Une position qui est pas forcément très appréciable. Surtout avec la balle de snipe qui ne touche pas, mais derrière ça rafale un petit peu du côté du French Monster qui dévoile sa position. Attention, Mushway est quelque part aussi.
Mushway, voilà, qui a dévoilé tout simplement sa position avec ses quelques balles. Je suis impressionné là par ce qui se passe. Et forcément, c'est Zank Mush et Adeba. Carabine, ça ne touche pas. Mushway en duel face à Zank. Mais Gotaga qui regarde un peu ce qui se passe. Le 1v1 entre Mushway et Gotaga. Il vous reste 2 minutes. C'est très large, ça va se jouer au mental. Et on vous laisse vous concentrer. Ah. Et même c'est la victoire de... Il a fait pompe à 200, je crois. Gotaga. Moi, je trouve que ça apporte un vrai truc. Ah, c'est vraiment... Fort. Ah, bah c'est... Je suis sûr, j'étais comme ça, moi. Il savait pas que je voyais ça. Oh là là. Après, c'était mérité, hein. Franchement, je l'ai brain. T'as vu comment je suis dessus? Tu l'as bossé. C'est difficile, hein. Le niveau est très élevé. On va directement pouvoir enchaîner par le quatrième round. Si vous avez l'air rafale et que vous faites un kill avec cette arme-là, c'est pour un peu la rendre plus intéressante que les autres. C'est vrai qu'elle est très peu. Est-ce que la FAMAS compte dedans? On pourrait. La FAMAS compte dedans? Ok, très bien. Si vous en avez une dans les parages, ça peut être intéressant. Mais mec, moi, quand il y a de la compète, je suis plus là. Mais je kiffe, hein. Mais je suis plus là. Mais j'adore voir, c'est beau. C'est quoi, je vais mater le live là-bas, je vais me poser en haut. On va aller à un endroit qui va être chiant pour tout le monde, je pense. Prison Park. Vas-y. Prison Park. Pourquoi c'est chiant? Oh non, j'avais une autre idée en tête, tu sais, je voulais aller sur la patinoire, mais trop compliqué. Oh, j'ai les pires spawns. Oh, ça c'est un beau spawn que... Ça c'est un beau spawn. Non. Oh, ça se lave. Yes. Attends, mais il l'a bastonné. Mais ça se met des coups de pied. Oh, bien, bon, bien là. Là, on est des sauvages. Carrément. On a même pas voulu. C'était un joli duel, je te rendrai honneur. Oh, il a pas voulu que je te rende honneur. On s'est mis dans la merde comme des cons. Tu sais que PA, t'es mon sauveur, tu m'as sauvé la vie. Pour. J'avais pas d'armes et t'as tué le mec qui est en train de me chase. Bah voilà, je te focus, toi, que tu peux gagner pour ton anniversaire. Au moins un round. Ah, moi, je suis pas très bien niveau stuff, donc si vous pouviez vous battre et genre, je viens plus tard. Tu veux récupérer un peu, quoi? Ouais, c'est cool. Tu m'as fait trop mal, gros, tu m'as fait trop mal. C'est ça que tu veux, mec? Tu veux de la... tu veux te prendre des moins 5? Non, j'en veux plus. Oh. Ah ouais, mais non, mais putain, pourquoi c'est pas le mec open field qui prend, quoi? Il reste combien de temps, les gars? S'il vous plaît. Minute 19. Il y a le temps encore. Oh! Ah, c'est toi, allez, viens, Doug, viens. Oh, bah ouais, j'avais pas de conseil, bon. Fais-toi, Rafale. Fais-toi, Rafale. Hein? Quoi? Hein? Ouais! Yes! C'est ton nom! Rafale, ouais, le bug me fait paniquer à chaque fois, mais ouais. Ça tue tout le fun. Bien joué! Ah non, faut pas faire ça, mais chouette, parce qu'après, quand il gagnera vraiment, les gens ils diront non, mais c'est pas mérité. Non, mais en tous les cas, je pense qu'il peut pas win, j'avais 200 de PV. Je te sors qu'il te détruisait là. Oh, toi, l'excès de confiance! Je pense qu'on l'a joué 10 fois, je la win. Non, mais. Non, après, je sais pas. Ouh! 4? Ah ouais! Ça va, tempo. Qui a fini dernier? C'est moi. Je crois que c'est Squeezie, ouais. Après un légendaire combat de pioche. Ok, gens, donc c'est moi qui dois dire on va, c'est ça? C'est ça, Squeezie. Okay, je réfléchis. Frosty Flight, le retour des avions. Réfléchis. Peut-être à Fatal Field, hein. Fatal Field, c'est bien. Fatal Field, oui. Allez, go. Mais go Fatal. Ah, c'est derrière nous? Quoi? Je cherchais. Je cherchais le truc en mode, c'est où? C'est horrible. 100%, il avait déjà drop avant de le dire, quoi. Mais non. Mais quoi, il est déjà sur la ville? J'ai jamais fait ça. J'ai regardé son écran, il est déjà dans la ville. Il est déjà armé. Pas du tout. Il a un sniper. Oh là là là. Mais par contre, y'a un mec, il est vraiment arrivé vite à Fatal là, c'est qui? Bah, à ton avis. Ah, devine. Bah, je sais pas qui est arrivé vite comme ça, t'as fait comment, gros? Y'a un mec, il est déjà en train de loot. GG, on a rien pu faire. C'est vraiment nul. Putain, c'était chaud quand même, toi. Ah, mais on a pas le choix que de se rentrer dedans, quoi. Putain, le pire spawn. C'est que vous kiffez, les gars. C'est trop chaud ici, mec. Mais tu sors d'où? Oh, cabot! Mais tu sors d'où? C'est lui qui a ce skin là, à chaque fois. T'es sûr que t'as la Terra Fatal là? Il était où, cabot? Je crois qu'il est sur une montagne. Ouais, je crois. J'ai eu le drop trop late. Du coup, t'es resté sur la montagne? Bah, on va dire que je me suis fait push dans un autre. Je crois que je me à chaque fois. Vas-y, mush. Mais non, c'était juste à la limite, quoi. C'est sûr que c'est toi, ça se voit. On va dire oui, cabot. Désolé. Ouais, tu sens que c'est pas tout exploit. Rien qu'à l'odeur. En triple construit, double edit. Tu vas tuer. Let's go, mush, ouais, je te soutiens fort. Zanku qui tue Twix. Pardon, mais moi tu... Ça fait mal ça, Lucas? C'était une petite balle de sable ça dans votre tête, monsieur? Non, pas du tout. Arrête! Il le martyrise, le... Squeezie, il est en train de prendre tellement j'ai cher de la part stressant, de Mush. Ça me stresse trop. J'ai une sale gueule, quoi. 1v1 entre Zankyo et Mushway. Forcément, les deux first pick de chaque team qui se retrouvent en face à face cette fois-ci. Allez, Zank, on croit en toi. Non, ouais, bah c'est Mushway, quoi. Il reste 2 minutes. Au milieu, là, blank. La balle de snipe de Zank. Qui ne suffira pas. Compliqué, hein, ils ont le temps. Aïe, combien de temps encore? Une 40. Minute 40, vous êtes ça là, va, genre. Ça va, on se rapproche. Ça monte pas? Ça monte pas? Oh, Mushway qui a des problèmes. On peut pas monter. Donc, qui en profite. Il a pris la hauteur. Oh, il agresse Zank. Et on va savoir dans quelques instants. Bah, je crois que je suis mort.
Et je crois que tu m'as one shot en fait. Ok, donc c'est la première balle. Quand t'as sauté. D'accord, bah moi je suis. Ce petit bug est un peu la pire en ouais, t'entends rien, tu sais même pas si t'es mort ou pas. Ouais, ça tue le fun en vrai ce truc là. En tout cas, Mashway qui permet à notre équipe de valider un top 1 supplémentaire et lui il récupère des puntos. Mashway est dans notre équipe ? Non, c'est bien ça. C'est le seul mec qui est pas ici qui avec. Putain, moi j'encourage Zank, ouais, excuse-moi. Oh, tu peux m'encourager. Eh, mais Mashway, tue-moi mon ami, mais régale-toi quoi. C'est que du bonus, c'est que du bonus. À chaque fois je le tue de la même manière. Il me fonce dessus en mode bulldozer, je suis de dos, je sais pas quoi faire. Alors attention. C'est quoi, c'est la dernière ? C'est le pompe ça ? Pompe moins 3 ? Ah, c'est chiant. Faut pas finir les kilos pompe quoi. Est-ce que tilted c'est bien ? Ça vous sent un bon truc ? Ouais. Vas-y, bon, voilà alors. Vas-y, let's go. Dernière game de la soirée, les gars. Profitez-en, prenez un max de plaisir. Et encore merci à tous d'avoir passé ce lundi soir avec nous pour mon anniversaire, certes. Tu me crois, j'ai 3 pompes ? J'ai 4 pompes. Genre vraiment, c'est interdit aux pompes, j'ai 4 pompes. J'adore ce jeu. Non, mais comme par hasard, je loot un. J'ai 5 pompes ! Allo ! Regardez mon stuff ! Voilà, je. Ah, enfin. Bah, chouette, je kiffe ta carrière et tout, lourd, hein. T'es obligé de me tuer tout dans la carrière. J'arrive, t'inquiète pas. J'en ai marre ! Oh, je suis la petite pute à Bashway, quoi. Putain, je t'entendais depuis tout à l'heure, Twix. Non, non ! Qu'est-ce qui tue le mec AFK là ? Y'a un mec AFK ? C'est une première ça. Ah Zank, putain. Désolé bro. T'inquiète, j'ai vu que tu jouais pas, j'ai hésité à tirer en plus. Non non, je jouais en plus juste ouais, je regardais en l'air. Tu devais mettre des nades ou je sais pas quoi. J'ai eu une petite phase. J'ai tellement plus rien à prouver quoi. Il y a 6 joueurs, c'est la dernière game du Royal Rumble. Et Zank a déjà 2 kills. Ah, c'était qui m'avait laissé ça là? Ah ouais, je te vois sur le toit carré hein. Toit carré. Attends, je fais un autoscope vite fait, genre pour le fun, tu sais, pour live et tout, y'a des joueurs. Ok, c'est bon. Oh la balle, c'est le Cabochard. Oh, j'en avais une. Oh, je t'ai mis 100 dans la gueule. Désolé, je t'en ai mis. T'es pas obligé de le call. Oh, double deagle. Ah putain. Oh, des barres. Oh, en plus, tu m'avais envoyé un DM en mode c'est ton anime, je te laisserai un kill gratuit. Je sais pas si c'était celui-là, mais. Non. C'est mon arme préférée maintenant, le deagle. Doig, Gotha et Mushway, les 3 derniers. Y'a du beau monde. Les 3 plus forts. Je sais pas trop ce que ça donne en fonction des wins, mais Mushway a fait pas mal de top 2, non? Mushway, moi je fais pas mal de top. C'est qui t'es en train de me laser là? Ah bah Mushway, je pense, parce que moi je suis inactif là. Oh putain, le fort. Ok, j'arrive vers le fort, hein, je préviens. C'est mon anniversaire. Bah alors, Gotha, c'est pas ça, mais t'as un mec sur toi, mais qui va rien te faire, j'imagine, c'est ça? C'est mon anniversaire. Oh non, l'anniversaire! C'est plus mon anniversaire. Mais je vais face à Gotaga. Oh putain, ça y est. Les infos sont données. La position de Gotaga a été révélée. Mushway qui prend ses responsabilités. Il est pas venu pour blaguer. Certes, aujourd'hui, c'est un Royal Rumble un peu plus différent d'habitude, un peu sympathique, un peu bon enfant. Mais quand même, dans ce genre de duel, on est obligé de le jouer sérieusement. Et c'est finalement le grand Mush. Mushway. Non, j'ai mec. Bravo. Bien joué. Mushway qui nous fait deux top 1. J'ai une sale gueule quand même. J'ai une sale gueule. Ah non, franchement. Bah, t'as joué quoi. Ah, très propre. T'as rapporté des points à la maison. Ça fait plaisir. On va avoir les scores, bien évidemment, en solo au début. Comme ça, personne ne sera assez vif pour pouvoir compter et savoir qui a fait quoi. Et ensuite, on saura quelle team réellement l'a emporté. Mais honnêtement, c'est une belle soirée. Dans son ensemble, bien sûr. Alors, Squeezie, il a dit le Master Kill, lui, il était. Moi, il m'a vidé d'énergie. Depuis le Master Kill, je me dors bien. Je te jure, depuis le Master Kill, je suis dead, c'est incroyable. Et on termine sur ce Royal Rumble, certes un peu différent d'habitude, juste avec les copains, voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu en termes de gameplay, même si on a fait deux teams, histoire de créer quand même cet équilibre, parce qu'en vrai, les deux teams étaient très équilibrés en termes de level, pour être très honnête. Mais en tout cas, c'était très cool, hein. Merci pour l'invite, parce que j'avoue que moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Fortnite, et j'ai redécouvert le jeu en mode juste entre potes, hyper fun. Donc pensez quoi derrière la saison, totalement d'accord avec PA. Cette saison 7, là, de ce qu'on a pu voir, les avions et tout, les tyroliennes, kiffant. Ouais, grave. Bah, kiffant. De toute façon, c'est un jeu qui est hyper fun à jouer entre potes, c'est sûr et certain. Même avant les avions, ça l'était. C'est juste, je pense, malheureusement, on subit cet effet de. T'es trop partout, tout le temps. Ouais, tu vois. Moi, j'appelle ça l'effet Star Wars, tu vois. J'ai un peu eu pareil avec Star Wars, tu vois, c'est surmédiatisé et tout. Mais quand tu fais un gros break, ouais. Où pendant 2 mois, toi, c'est pareil, pendant 2 mois, tu check rien et tu reviens dessus après 2 mois, c'est un régal de ouf, quoi. Et moi, je te dis rien que 2 semaines, là, c'est 2 semaines, j'avoue, je joue pas trop. Genre là, chaque Master Kill où je reviens, bah, je découvre des choses. Ouais, tu vois, genre, ouais, même l'avion, tu connaissais pas trop et tout. Ouais, l'avion, je connaissais pas du tout. Je sais pas ce qu'on pouvait faire avec. On pouvait même foncer dans des mecs, tu pouvais les pousser. Tu prends du temps, envie de respam là le jeu du coup. Ouais, quand même, mais il y a quand même ce plaisir du fait que tu ne joues pas et du coup quand tu joues bah tu kiffes le temps de tu redécouvres vraiment parce qu'en fait Epic Games sont forts quand même. Quoi qu'on dit sur Fortnite, c'est quand même les boss des nouveautés quoi. Dès qu'ils sortent un patch, c'est un truc de ouf les nouveautés. Ils prennent des risques. Ils mettent des trucs qui changent vraiment tout le gameplay. Et ils arrivent à mettre aussi des trucs, c'est pas forcément OP, c'est-à-dire que genre l'avion par exemple, il change totalement la méta entre guillemets, mais c'est pas genre un truc en mode ah, il a un avion, il a gagné, tu vois. C'est toujours un minimum. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est hyper cool. Du coup, quand tu fais une pause de 2 semaines, bah il s'est déjà passé des trucs sur le jeu, donc quand tu reviens, tu
C'est incroyable. Et on l'a vu, cette saison 6, en tout cas la saison qui vient de se terminer, a été vraiment le moment où Epic Games a clairement annoncé ce qu'ils allaient faire e-sportivement. Et ça a été aussi un vrai succès avec le Winter Royale. Et là, les Worlds qui vont arriver. Donc non, honnêtement, niveau e-sport, ils étaient en sueur, ils s'en sont super bien sortis. Et à chaque fois, les nouveaux patchs et tout, on a l'impression qu'ils vont plus avoir d'idées pour le suivant, ils vont plus avoir d'idées pour le suivant. Et à chaque fois, ils surprennent. Donc pour l'instant, ils réussissent sur tous les tableaux. Et c'est vrai que comme l'a dit Squeezie, pour l'instant, le seul vrai problème de Fortnite, c'est que vu que tout le monde en parle, c'est devenu trop facile c'est de détester. Star Wars, mais c'est quand un truc est trop génial, c'est normal. Quand le truc est mainstream, quoi. Ouais, quand le truc est mainstream. Mais en tout cas, nous, on prend toujours autant de plaisir. J'espère que chez vous aussi, peut-être que vous êtes pareil, vous consommez pas énormément de Fortnite toute la semaine, mais ce lundi soir pour vous, il est sacré. Ouais, faites-le nous savoir. Franchement, ça fait du bien. Moi, je pourrais le faire tous les lundis de, non, du mois. T'engages pas sur. Et à chaque fois, on n'a pas les budgets, malheureusement. Mais tous les verts, franchement, je te jure, c'est trop kiffant. Une petite session de 4-5 heures entre potes et tout, un jour par semaine, ça tue de ouf. Qui a gagné le Royal Rumble? Le Royal Mumble. Super le Royal Mumble. Super transition. On a les scores, effectivement. Et on va démarrer déjà par le classement individuel. On rappelle, hein, on l'a joué comme d'habitude. C'est juste qu'on a ce côté team en plus, histoire d'essayer de me faire gagner d'une manière ou d'une autre. À voir si ça a suffi. Je pense que vous êtes très curieux de savoir. Il y a une égalité sur la dernière place. Déjà, ça, faut le savoir. Deux personnes ont pas réussi à se départager. Ils ont fini tous les deux avec 20 points. Septième position, nous avons deux personnes qui se sont mis des coups de pioche aussi durant cette soirée. Oh, ça, c'est ben voilà, qui se tape une barre. Tout s'explique. Squeezie et l'autre, bien sûr, c'est Twix, forcément. Bravo, frérot. Twix qui a fait le spectacle, un coup de pioche, l'avion, il était là mais pour moi, se régaler. C'était mon moment. C'était début, mon moment du Royal Rumble, j'ai cru que c'était un truc de ouf ce qu'on faisait. Ça l'était. Bon, bah bravo à vous deux, honnêtement. Bravo, Twix. Sixième position, juste au-dessus. Ils ont présenté Bean ensemble. Il avait fait mieux d'ailleurs au Z Event. Il avait fini quatrième. C'est Domingo avec 25 points. Alors, comment t'as kiffé alors ta soirée dans l'ensemble, bien sûr? Non, mais comme je disais, en vrai, genre, c'est vrai que moi, Fortnite, j'ai pas mal joué, j'y joue vraiment de temps en temps. La dernière fois que j'avais joué, c'était pour le The Event. On en parle beaucoup sur NRJ hein, d'ailleurs de Fortnite. Bah ouais, de l'actu parce que c'est ce qui intéresse aussi les gens et tout. Et c'est vrai que de temps en temps, je peux, quand ils jouent pas du tout, en fait, tu peux avoir des a priori négatifs. Et là, c'est hyper fun. Et j'avoue qu'entre potes, c'est le genre de jeu où c'est trop bien quoi. Cinquième position, juste au-dessus. Il a 3 points de plus à peine que Domingo. C'est 28 points. Il était peut-être pas attendu à ce niveau-là parce qu'il est joueur professionnel sur un autre jeu vidéo, League of Legends. C'est Cabochard, joueur des Vitality. Première participation. Au début, j'ai cru déjà que top 5. Bah, écoute, je me suis beaucoup caché au final et ça a payé. Donc. Et une très belle bataille avec Twix en avion aussi. Absolument. À noter, ouais, première game. Ouais. On continue le classement avec la quatrième position. Pensez gagner ce soir. C'est toi, Ivy. Mais finalement, rien n'y met, quoi. Genre, c'est pas possible. Je ne gagnerai jamais. Mais il a été monstrueux pendant le Master Kill. Ouais, j'ai tout, pareil que toi, j'ai tout donné sur le Master Kill. Bah ouais. 32 points, quatrième position. Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui toi, que t'en as surpris beaucoup. On avance sur le classement, on arrive sur le podium. Il reste Zankyo, il reste Mushway et il reste Gotaga, bien évidemment. 43 points. Il sort de son camouflage. C'est Gotaga, bien évidemment. Tu as préféré laisser briller la jeunesse? Non, même pas. Ils ont décidé de briller pas d'eux-mêmes. Hein. Y a pas eu de... T'as eu un peu des galères sur les spawns, toi aussi, ce soir. Des petites galères sur les spawns. On s'est réglé à la pioche avec PA. Il y avait des petits trucs comme ça. Et puis, de toute façon, je suis toujours dans ma phase dresseur Pokémon. Je vais racheter un Z1 jusqu'à demain. À partir de mercredi, là, tu reprends à fond Fortnite? Peut-être pas mercredi. Je crois qu'on a un truc sur Call of Duty aussi. Après, potentiellement, on va dire à partir de la semaine prochaine. Ah, parce que jeudi, on est avec. Oui, on est sur Garry's Mod. Ouais, Garry's Mod. À partir de la semaine prochaine. Ça va être fou d'ailleurs. Jeudi, grosse va être prévu, j'imagine, 20h minuit avec un invité qu'on peut pas annoncer. On verra, même moi-même, je sais pas encore. Il a voulu teaser un truc de ouf. Un invité surprise qui va être dingue, mais on peut pas l'annoncer. Rappelez-vous les gars, tous les jeudis, pour ceux d'ailleurs qui regardent ça actuellement sur YouTube, tous les jeudis, on est en live, donc c'est la soirée de Squeezie, c'est essentiellement sur Garry's Mod. Ouais. Enfin, c'est plein de modes de jeu, que ce soit sur Garry's Mod. CSGO. On a découvert le Dodgeball, CSGO, et c'est des petits modes de jeu assez sympas, assez fun, tous les jeudis soirs, donc à partir de 20h. Allez, venez à 20h15, on est toujours en retard, mais sinon. C'est gentil, vous êtes adorables. Mais continuez, j'écoutais, moi je veux savoir qui a gagné. Deuxième et première position. C'est serré c'est entre très serré. Deux. On a points. Alors les points sont très serrés. 56 points pour le deuxième, 57 points pour le jeu. Non. Attends, combien? Attends, 56-57. Mais non. Il y a un point d'écart entre Zankyo et Mushway. Attends, avant, oui. Chez Zank, il a déjà son trophée. Est-ce que tu peux nous remontrer le trophée, Squeezie, bien sûr, hein, toujours. Ah, mais là, on a le trophée, il là, est où, sur quelqu'un l'a Attends, je sais pas, ça se trouve si. Après, imaginons que tu gagnes, Mushway. Mais quoi? Et qu'il avait le trophée entre ses jambes. Il repartait avec. Bon, vas-y. Non, mais imaginons que tu gagnes, ça se trouve, tu peux être bon prince parce que c'est ton équipe qui gagne et du coup, Dwagby qui aurait son premier trophée Royal Rumble. On sait pas encore. Regardez le trophée là, maintenant, chaque personne qui remporte le Royal Rumble à ça qui arrive directement chez lui et il doit le mettre obligatoirement dans son décor tellement c'est magnifique et c'est de la bonne qualité en vrai. Tu sais, t'as pas fait le truc bateau de je prends une coupe à Decathlon. Ah non, oui, on voulait en faire vrai, un truc pris la tête, truc genre ça se voit et c'est cool. Le gagnant du Royal Rumble spécial anniversaire, c'est le grand Mushway avec 57 points, 56 points du côté de Zankyo, 14 kills Mushway ce soir, incroyable. Ouais. Cette victoire, oh là ce là trophée là, c'est Slayer, même Zank, 11 kills pour Zank hein. Ouais, Zank.
Merci pour les plaisants, je l'ai pas vu du tout en fait, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Je l'ai quasiment pas fight en fait, c'est pour ça que j'ai même pas vu qu'il était. Non mais en fait toi tu m'as tué quelques fois genre sur la fin et. On s'est pas vu sinon on s'est pas croisé. Ouais sinon on se croisait pas. Et du coup qu'est-ce qui se passe en équipe? Est-ce que c'est la double win pour Mushway? Très serré entre les deux teams, 147 points pour une des deux teams, 134 pour l'autre. L'équipe qui remporte ce duel, c'est la team de Gotaga. Let's go! Vous êtes où? Tu lui as même pas lâché pour son anime. Est-ce que Mushway qui n'a rien à prouver à personne accepterait peut-être de faire un petit geste? Mais non, c'est à lui, il l'a mérité. Je vais pas gagner en équipe, il va être dans son décor. Il peut l'offrir à quelqu'un s'il le souhaite. C'est à lui, mec. Non, mais même toi, c'est même... son premier. C'est à lui. Non, il fait des câlins au trophée, Mush. Tu voyais ça, il fait des câlins au trophée. Mais Doig, fallait mieux jouer, Doig. Mais après tout, ils sont dans la même équipe. Non, c'est à lui. Mais justement, l'équipe qui a perdu. J'ai été pourri. Non. Lucas, si seulement tu n'avais pas ouvert ce coffre. Je vais plus voir cette chose. Si seulement tu avais tué trois fois, il a la haine contre moi. Squeezie, hein. Ce tricheur en plus. Mais pas du tout. Hey, les teams sont dissous, ça clash. Mushway obtiendra des trophées bien plus gros au cours de sa carrière. Mais pensez à Doig B. Pensez à Doig B qui participe toutes les semaines. Non, c'est un appel à l'aide. Mushway et moi, on est comme des frères jumeaux. Au nom de Mushway, oh, mais cette chance, putain. Après la tasse, le trophée, quoi, putain. Le trophée, mec, quand il chauffe, mets-le devant un radiateur, il devient énervé. Non, bien évidemment, il ira à Mushway. Et bah, ça va nous permettre tout simplement bravo, de clore cette soirée. Bravo, Mushway, bravo, les gars. Bravo, les gars. Merci bravo. À vous tous. Bravo. Je suis très content, honnêtement, que vous ayez tous fait cet effort pour être là pour mon anniversaire. Donc, vraiment, encore une fois, merci à vous tous. Ça m'a fait très, très, très plaisir de vivre ça avec vous et je m'en souviendrai très longtemps. Et bah, voilà. Encore bon anniversaire à toi, merci, mec. Merci à toi. C'était cool, on s'est régalé. Bah, Kota, je te laisse clôturer cette folle soirée. Surtout qu'en plus, à chaque fois, je le fais avant, il repart et du coup, après, il me relance. Tu dois remettre une couche. Ouais, je répète ce que j'ai dit, c'est trop bien. Bon courage. Bah, non, mais GG, écoute, j'espère que ça t'a fait plaisir pour ton anniversaire. T'étais entouré de personnes qui t'entourent. Ouais. Pardon. Ah, mais te moque pas de lui. Ah non, c'est vrai que là, ouais. Non, mais la phrase, elle était ouais, c'est vrai qu'elle était pas. Cette phrase était folle. Non, mais moi aussi, je suis crevé. Toi, t'as pas dit un mot, tu écoutes un Royal Rumble et tu es en train de me clasher là. Non, c'est en train de devenir un jeudi soir, ça, les gars, calmez-vous. Exactement la fin des jeudis. Ça devient le jeudi. Mais non, mais en vrai, voilà. Et puis, non, mais il a raison. T'es entouré par les. Super fun. On a perdu beaucoup d'euros dans une première partie. Puis derrière, il y a Mushway qui a fait parler de son niveau. Il y a Zank aussi qui a bien suivi. C'est quand même un bon Royal Rumble. On vous donne rendez-vous lundi prochain, tout simplement. C'est ça. Bisous les gens. Bisous tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bisous.